Bonjour, bonsoir, bonjour, comme vous voulez. Enfin, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo là-dessus. Bon, j'ai aussi un petit souci à vous dire que j'ai pas mis les mises à jour de mon ordi, donc je risque d'avoir des petites surprises, même avec Hangood, pardon, parce que le petit souci avec mon téléphone. Ça passe, mon téléphone, il n'y a pas de problème, je peux appeler les gens, mais pas avec mon ordi. Bon, j'envisage beaucoup plus tard, mais pas immédiatement, parce que ça coûte quand même 2000 euros, il faut dire la vérité. Avec les problèmes que j'ai, je préfère mieux attendre. Bref, on va vous expliquer un peu rapidement. Vous savez que pour l'affaire d'Alexandra, vous savez comment je suis, je fonctionne, j'ai mes petites ambitions. Il y a une personne que je voudrais bien attraper. Quand je dis attraper, c'est vraiment attraper, parce que c'est vraiment attraper, parce qu'il faut faire le nécessaire. Même si elle s'abonne à la chaîne, elle va comprendre tout de suite que c'est les filets qui va y risquer. Cette Alexandra Ganini risque d'avoir des surprises, surprises, surprises. Bon, comme je vous ai expliqué, les numéros de téléphone sont un peu bizarres. 07 80, 0, pardon. 07, désolé, hein, j'ai fait une boulette à 07 56, donc voilà. Et le truc, c'est qu'il faut franchement que ça s'arrête, l'escroquerie amourette, qu'il soit n'importe quel, tout ça. J'aime bien être un peu direct, hein, parce que c'est pas forcément les Ivoiriens, ça peut être aussi dans le territoire ici, comme j'ai vu une vidéo il n'y a pas si longtemps. Cette personne, elle dit qu'elle habite à Nice. J'ai regardé combien ça vaut le billet. Ça vaut environ dans les 70 euros. En gros, 75 balles. Donc, j'envisage de faire quelque chose de très spécial. Donc là, pour l'instant, je suis à l'aveuglette, je nage. J'ai pris un contact avec quelqu'un, là, ça y est, j'ai mes contacts. Je commence à avoir des contacts petit à petit. Je vous donne une petite recette, parce que j'ai une envie de bien m'amuser. Parce que vous savez, quand on me menace, c'est très intéressant. C'est vrai que je n'ai pas attaqué 18-25 parce que j'ai pas envie. Voilà, c'est pour. C'est pas quelque chose de plus grave. Bah, par contre, ils m'ont fait couler ma société. Mais c'est pas le 18-25 qui a fait couler. Réellement, ma société, il hein, faut dire la vérité. C'est une personne particulière que je ne veux plus parler de lui. J'aime bien déconner un peu, Papy Tricot comme ça, Patrick Counet, tout ça. Ouais, mais bon, là, je m'en fous. Ce que je veux dire, c'est qu'en gros, c'est une affaire beaucoup plus grave. C'est pas un petit truc de 2 balles que là j'en train d'attraper. J'essaie d'attraper le poisson qui est très gros parce que c'est un quand même, c'est un réseau. Voilà, c'est un réseau très grave qui peut toucher à n'importe qui, à des personnes qui cherchent vraiment le A. Vous voyez ce que je veux dire? Et on peut jouer avec vos images. Vous savez, il y a des profils qui sont volés. Extrêmement volé. On peut même prendre sur Internet, qui veut dire quand je parle Internet, c'est pas forcément votre page de Facebook, quoi que ce soit. Non, c'est franchement prendre l'identité de quelqu'un qui a piégé et après il s'amuse avec cette identité. Et c'est très grave, c'est passif de 10 ans de prison, si vous voulez le savoir. Je ne veux pas vous sortir les codes pénals, je ne veux pas sortir mon bouquin, j'en ai pour un moment à chercher. Donc je sais que c'est pour 10 ans de prison pour l'usage d'identité parce que c'est très 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 pris au sérieux. On a déjà utilisé mon identité il y a très longtemps, en 2008, je revenais de Côte d'Ivoire en plus. Et j'ai eu une surprise, j'ai reçu une convocation de la police nationale de Limay pour usage d'un nom que mon nom est à 12 km. Et cette personne a joué un petit problème qu'il a eu.
c'est qu'il avait deux opérateurs différents et que moi, je n'utilise jamais deux opérateurs différents. Voilà, je n'ai jamais fonctionné avec deux opérateurs différents. Donc, il s'est piégé là-dessus. Parce que le petit problème, c'est que moi, les numéros de téléphone, j'en ai un particulier que j'aime bien, un opérateur que j'ai beaucoup aimé. Donc, à l'époque, j'étais avec un opérateur que j'aimais. Voilà, qui coûtait cher, mais que j'aimais très bien parce que j'avais pas de soucis dans ce domaine-là avec les connexions, tout ça. J'avais, je m'en rappelle, j'avais même le forfait de 10 euros d'internet illimité pendant tout le mois. Alors vous voyez, hein, j'avais une facture de 50 euros par mois. Bon, bref, on va pas parler de tout ça. On va parler tout simplement d'identité, de l'identité frauduleuse. Vous savez, quand on prend une identité quelqu'un sur internet, on va prendre ces images, des images que la personne a faites, parce que les personnes qui font ça, ils jouent avec les sentiments des gens. Ils jouent avec les sentiments des gens en piquant les images. Vous savez, ils ont un ordinateur, ils téléchargent la vidéo. Moi, je peux vous dire, hein, j'en ai téléchargé des vidéos. Moi, par exemple, je vais vous montrer quelque chose, un petit exemple que je fais. Voilà, bon, attendez, voilà, que je fais. Je vais prendre une photo comme ça au hasard. Hein, parce que, ce qui est con, c'est que j'ai pas la personne que je voudrais la bloquer. Bon, c'est pas grave, je vais voir avec elle, mais je sais pas. Bon, ça m'embête beaucoup, mais voilà. Bon, en gros, je vais prendre mon visage perso, qui est beaucoup plus simple. Voilà, c'est comme si on prenait mon visage comme ça, on me le téléchargeait, et on met moi comme photo, voilà, et que ça va être moi qui va être l'escroc. Vous voyez ce que je veux dire? En prenant l'identité complète d'une personne, l'identité de quelqu'un, de quelqu'un. Ça s'appelle passif d'identité, hein, utilisation d'identité. Ça peut aller à un certain moment de prison très ferme. Donc, je ne suis pas avocat, mais quand même, il faut montrer aux gens qu'il y a des internautes, on appelle ça des internautes, j'appelle pas ça des internautes, j'appelle ça des escrocs, le mot le plus simple, et qui peut utiliser votre identité comme. C'est pour ça que moi je donne à tous les conseils que je donne à certains internautes pour l'escroquerie. Je vous donne un conseil, bloquez votre compte Google, quoi que ce soit, même votre phone Facebook. Vous vérifiez avant d'accepter l'ami, ami E, ami normal, parce qu'on peut utiliser votre propre image d'identité. C'est pris très au sérieux, hein, c'est vraiment quelque chose de très sérieux. C'est pour ça que moi je prépare une vidéo, là-dessus. Alors attention, j'ai pas de caméra, je vais faire la vidéo avec deux exemplaires, soit avec mon ordi, et soit avec mon téléphone. Là actuellement je suis en connexion avec mon ordinateur, parce que il n'y a plus d'internet là-bas, là, la carte m'a coupé les choses. Bref, donc voilà, vous savez, passif d'identité, c'est très grave, c'est pris dans le code de la loi, hein, c'est bien écrit, qu'on n'a pas le droit d'utiliser une identité. Moi, par exemple, moi j'ai deux comptes Facebook. J'en ai un qui est ici sur mon ordinateur, un qui est sur mon téléphone. Le problème, c'était pas programmé d'en avoir deux, j'en devais en avoir un. Bon, bref, c'est pas grave. Et le hic, le problème, c'est que sur l'identité de la personne, ils vont faire des choses qu'il ne faut pas faire. Ils vont se prendre, par exemple, je prends un nom à la con, Christine Dupont. Vous savez, des Dupont, on entendait un peu beaucoup. Maintenant, du Dupont, un peu rare. Mais bon, bref, il y en a encore cette famille. Par exemple, Christine Dupont. Pour essayer d'un peu aller plus vite,
Et après mettre une photo d'une star de porno, star de quoi que ce soit, ou soit peut-être des photos d'une autre personne qui s'appelle par exemple Frédéric Lebain, par exemple Christiane Duroy, etc. Des noms bizarres, des noms qui sont réels comme ça, ou bref, n'importe quoi, mais en mettant quasiment une photo d'une personne qui n'est pas la bonne personne. Et après, ils utilisent des télécharges. Ah, ils téléchargent les photos parce qu'ils vont dire ouais, super tout, ouais, m'a montré ce que je veux, tout ça, tout. Et après, ils vont utiliser les photos, les vidéos, pour appâter la personne qui veut se masturber, on va dire le mot, masturber devant la caméra. On appelle ça, voilà, j'ai eu ce cas-là, donc c'est pour ça que je m'en fous, je m'en brôle, hein, ils peuvent faire ce qu'ils veulent de la vidéo. Ils ont un petit problème, ils ont un gros problème, c'est que leur adresse IP est intéressante. Voilà ce que je voulais dire. C'est que leur adresse IP, elle est intéressante. Très très intéressante, donc ça me fait vachement amuser. Alors moi, je suis en contact avec un agent de police. J'en ai discuté récemment, parce que je vous ai dit, je vous dis pas tout. Je vous dis pas tout. Maintenant, ça y est, on est parti pour dire un peu petit à petit des choses. J'en ai discuté à propos de cette histoire. Et cette histoire, vous savez, je ne suis pas le seul à le faire couillonner la gueule. Alors, la personne m'a demandé, Alexandra m'a demandé, le monsieur, le jeune homme qui se prend pour Alexandra, parce que le mec, il avait une complice féminine, avec une voix très très charmante, hein, je peux vous garantir. Une valeur, il me demandait 5000 euros en transcash. Est-ce que vous imaginez 5000 euros? La personne, elle n'est pas intelligente dans le cerveau, ça fonctionne pas du tout. En plus, je leur ai dit que j'avais pas assez de pognon, parce que j'ai des gros problèmes. La personne, je crois qu'elle n'a pas cru que ce que je disais, c'était 100% vrai. J'ai vraiment des gros, gros problèmes financiers de mon côté. Et quand je dis financiers, c'est des problèmes financiers avec la CAF. Bon, bref. Et j'aurais pas donné, bien sûr, là, pour votre information, mettre le doigt dans le cul comme ça. Donc, cette personne m'a fait croire qu'elle allait venir, je vous l'écoutais, hein, elle allait croire qu'elle allait venir à Paris pour me récupérer en voiture, avec mon pote Olivier. Hein, voilà. Mais moi, quand j'ai vu que c'était un piège, parce que après j'ai vu que c'était un piège, la première chose, c'est que j'ai demandé une vidéo, je n'ai pas réussi. Son numéro de téléphone est un 07 56, donc. J'ai pas envie de vous citer, vous l'avez déjà, le numéro de téléphone qui traîne un peu sur la circulation, en commentaire. Vous savez pourquoi je le mets? Parce que il y a une chose à dire, que ce numéro-là est très dangereux. Voilà. Donc, cette soi-disant Alexandra, elle a fait quelque chose d'extrêmement grave en utilisant le nom d'une personne, peut-être existante. Elle m'a dit qu'elle était nationalité italienne, d'origine italienne, pardon, excusez-moi. C'est pareil, bon, c'est la même connerie. J'ai parlé en italien un peu pour voir si elle comprenait l'italien, mais je crois qu'elle a mis le traducteur. Parce que ça, les petits fils de pute, ils savent faire ça. C'est leur domaine. Hein, prendre un ordinateur, tout ça. Alors, je peux vous dire tout de suite, hein, cette personne, elle travaille que en ordinateur. Je voyais bien qu'elle bossait en ordinateur. Moi, j'ai tous les numéros de téléphone. Alors, je vais vous expliquer. Hein, c'est un peu con, hein. Parce que ça me fait vraiment rire. Voilà, Alexandra. Ah, Alexandra, tu auras une belle surprise. Bon. Alors, oui, je vais pas vous dire, j'en ai deux, Alexandra. Mais là, j'ai une Alexandra qui m'intéresse. Voilà. Ça. Désolé, on voit rien avec un ordinateur. Donc c'est un peu dommage, j'ai plus mon système de machin là. Me fait croire un tas de trucs. Hein. J'ai pas envie de lire parce que. Et après, j'ai fait croire un tas de trucs. Bon, elle fait tout le blabla, comme d'habitude, même champignon après, à la fin. Écoutez-moi bien vers la fin que j'écris, parce que maintenant je sais que c'est un mec. Hein.
Bonjour, je t'ai fait un message sur Angoud. Ça, pas de problème. Ok, sois prudente. Ma puce, gros bisous. Bon, ça, c'est pour vous dire que. Voilà. Alors, moi, par contre, son dernier message, parce que moi, j'ai le dernier message. Hein. C'est bien, Alexandra. Ah non, ça c'est pas la bonne Alexandra. C'est pas la bonne Alexandra, c'est chiant, putain. Voilà, c'est Alexandra Chérie FM, c'est vrai, il l'a appelé comme ça. Alors, donc, j'écoute bien. Objet, Côte d'Ivoire, ça c'est un petit mail que j'ai envoyé, un petit message pour lui faire comprendre que en Côte d'Ivoire, maintenant, on est en train de chercher les mecs qui sont sur Internet pour essayer d'escroquer. Maintenant, c'est bon, ça commence à bouger un peu leur cul. Tu auras une belle surprise pour info. Voilà. Je lui ai dit, tu auras une belle surprise pour info. Mais alors, au début, voilà, au début, elle me dit, pour l'instant, nous sommes deux. Alors, pour l'instant, nous sommes deux à savoir l'existence de cette vidéo. Vous inquiétez pas, je m'en fous du genre pornographique. En plus, c'est totalement un peu à moitié vrai, mais à moitié faux. Toi, maintenant. Alors, de toi, maintenant. Bon, ok. À toi de négocier. Voilà, vous entendez ce que je dis, hein? À toi de négocier avec moi. Si tu tiens à ta réputation. Ouais, j'ai déjà une réputation à moitié assassinat. C'est pas grave. Alors, après, je te donne 1 minute. Il m'a donné 1 minute, il l'a envoyé avant. Bon, c'est pas grave. Ça me fait rigoler, ça. Pour me répondre, alors là, il est pas mal, hein. T'as 1 minute pour me répondre ou je balance ta vidéo foutre en mode public. Je n'ai rien à foutre de ta faire de. Pas mal, Zella. Foutre de te faire bu mal. Ah, te faire bu mal. Te faire du mal. Hein. Te faire du mal. Comme tu me fais, hein. Il parle bien français. Hein. Moi, je sais que je fais des fautes. Me faire la tête, regarde de quoi je suis capable maintenant. Bah. Moi, je lui fais une foutre de sa gueule. Vous voyez, je lui fais plein de rire. Et après, je lui dis. Après, je lui dis, écoutez bien, regardez, merde. Ah, je voulais dire regarde, merde, mais à chaque fois, je marque pourquoi, je ne sais pas pourquoi il marque karaté. Regardez, ça, c'est mon petit problème avec mon téléphone par moment. Toi-même. Alors, regarde, en réalité, je voulais dire regarde toi-même. Regarde toi-même. Escroc du web. D'accord? Escroc du web. Je le précise bien en plus, hein. Escroc du web. Bon, salut. Spyfall. Alors, que je voulais dire, espèce de spatiole. C'est une spatiole, qu'est-ce que tu veux, mon chouchou? Alors, c'est pas encore fini, hein. Là, il répond plus. Parce qu'il a balancé sa vidéo. Mais sa vidéo, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a été supprimée. Pour quelle raison? Je vais vous expliquer pourquoi. Une vidéo sur YouTube, c'est interdit de mettre du pornographique. Est illégal. Il n'a qu'à regarder, il n'a qu'à consulter. Bon, bref. C'est pour ça que j'en rigole. Je continue. Mardi 15 octobre. Ah, madame. Alors, PD, tu fais rire, chérie? Hein? Alors, PD, tu fais rire, chérie? Bien sûr, il n'a plus répondu tellement qu'il était dans la merde. Il est dans la merde en réalité, la personne. Hein. Je pense qu'il n'est même pas en France. Objet, bon, Côte d'Ivoire, blablabla. Bon, je ne vais pas vous le dire. Après, j'ai dit, tiens, sale PD. J'avais dit, je lui informe que
Il est dans la merde. Voilà, d'accord. Il est dans la merde qu'en Côte d'Ivoire, on l'échappe. Alors après, bon bien sûr, tu auras une belle surprise pour info. Voilà. Tu auras une belle surprise pour info. Alors, je l'ai appelé cette personne. Vous voulez, hein, on peut s'amuser, hein, les enfants. Hein. Vous savez, hein, moi ça me fait rire. Hein. Comme il dirait. Ça me fait rire. Ta gueule, toi, de téléphone. N'inquiétez pas, j'insulte mon téléphone, il m'énerve. Bon. Je vais le mettre en archive, mon téléphone, parce que... Voilà. Vous voyez, il a arrêté son numéro de téléphone. Ça aurait été un forfait officiel, ça n'aurait pas fait. Hein, je continue parce que ça m'intéresse. J'aime bien m'amuser avec des petits nuls. Ah, j'aime bien m'amuser avec ces petits chéris comme ça. Voyez ? Vous savez pourquoi ? Parce que c'est un numéro que tu peux supprimer en quelques secondes. Voilà. Donc, cette personne, elle s'amuse avec les sentiments de qui que ce soit, ça peut être moi, vous, n'importe qui, et s'amuse pour essayer de vous escroquer au moins de l'argent. Donc, qu'ils soient en Afrique, en France, en n'importe quoi, on le fait pas. C'est tout. Il y a des lois à respecter et tout ça. Là, aujourd'hui, moi, je... c'est pour ça, hein, c'est lui qui est bloqué, c'est pas moi qui est bloqué. Hein. Donc, voilà. Alors, moi, j'ai un RDV le 8 du mois prochain, avec une certaine Alexandra aussi. Ça me fait rigoler, mais ça m'intéresse. Pourquoi ? Bah, parce que je voudrais savoir. Même si c'est un piège, j'ai mis mes gardes. Vous voyez ce que je vous dis, j'ai mis mes mises en garde. Mes mises en garde, c'est quoi? C'est tout simplement, j'ai du monde autour derrière. J'ai du monde derrière moi. Voilà. J'ai contacté un ami, et qui s'en occupe aussi avec moi. Voilà. Donc la mise en garde, elle est là. Donc je vais quand même aller à ce RDV, bien m'amuser un peu, et essayer de les attraper sous le filet, parce que je ne sais pas comment ils obtiennent ces numéros-là, ces 0756. Je voudrais bien y savoir comment les obtiendre, parce que on s'amuse bien. Donc voilà, c'est juste une petite information, de faire très attention à tout le monde, même si on vous en balance votre vidéo, dites-vous qu'on ne peut rien faire contre vous. Parce que ça ne fonctionne pas comme eux le veulent. Moi, je m'emborde. J'aime bien m'amuser avec des PD pareils. Parce que je les adore, mes petits chéris. Et ils ne savent même pas que je peux les enculer bien. Et quand je parle d'enculer, c'est entre quatre murs et des barreaux. Voilà. Et oui, quand on a des amis, on a des amis. On ne les montre pas sur Internet, ça ne regarde personne que sache. Moi aussi, j'ai des amis, mais système d'escroc, il faut les enculer leur mère. Voilà. Donc, le mec, il a arrêté son numéro de téléphone pour plus avoir affaire à qui que ce soit. Mais vous savez, il en récupère un autre numéro. Pour l'instant, je ne dévoile pas l'autre. Je veux voir jusqu'au bout ça va, cette histoire. Parce que j'adore, merde, j'ai oublié son nom. Une chanteuse, merde, j'ai oublié son nom. J'adore. Elle adore tellement qu'elle ne sait même pas qu'est-ce qu'elle écoute. Bref, j'ai oublié son nom. Bref, c'est pour vous dire à vous tous, les enfants, prenez soin de vous, faites très attention sur Internet. Il y a des trous du cul qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas.
et qui vont vous escroquer votre argent de A à Z. Qu'il soit du PCS, du Transcash ou de quoi que ce soit, même par moment, du virement bancaire, hein, parce qu'on utilise aussi la poste, on utilise... ils arrivent, malgré qu'ils font des fautes, ils arrivent quand même à gagner de l'argent avec ça. Bah ouais, je sais pas, mais bon. Ça me fait un peu rire et en même temps ça fait pas rire parce que ça me plaint, c'est pour les personnes qui se font arnaquer. Moi je me plains pour eux parce que c'est quelque chose qui me fait mal pour eux et pour n'importe qui, ça peut toucher à n'importe qui. Et c'est vraiment, 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 vraiment très très gonflant. Mais je veux aller jusqu'au bout. C'est pas de ma faute, je suis comme ça. Voilà. Allez, je vous adore. Likez si vous voulez la vidéo. Prenez soin de vous, faites attention à ces bandes de cons. Parce qu'ils sont là pour vous escroquer. Et vous savez, j'ai même appris qu'ils s'abonnent chez moi. Ils s'abonnent sur ma chaîne. Pour voir comment on fonctionne. Mais ce qu'ils ne savent pas, faut mettre là-dessus. Parce que vous ne saurez pas tout, mes chéris. Je vous encule, les escrocs. Je vous encule. J'aime bien la Côte d'Ivoire, mais je déteste les enculés. Parce que ce n'est même pas des vrais Ivoiriens. Ils ne se respectent même pas ce qu'ils sont, etc. Donc, pour moi, ils ne sont rien du tout. C'est juste des trous du cul. Voilà. Le problème, ils ne respectent même pas eux-mêmes. Là, j'en train de me manger, là. Vous voyez, il y a mon doigt, là. Il y a un problème avec mon ongle. Et moi, je suis pas content. Voilà, bon, écoutez. Voilà ce que je voulais... Désolé, hein. Je voulais... j'ai pas la lumière, tout. Je m'en fous. En plus, ça coule très vite la nuit. Là, vous savez, j'étais programmé de sortir à la base. J'avais pas trop envie. En même temps, j'avais pas envie. J'avais envie de faire cette petite vidéo pour parler un peu. Hein. Parler un peu de ce problème-là, parce que c'est un peu déchaînant. Faut dire la vérité. C'est quelque chose extrêmement grave, quoi, de escroquer quelqu'un et de prendre l'identité. Et donc, je vous dis, faites gaffe. C'est tout à vous tous. Faites très attention à vous. Surtout, faites attention. Sur Instagram, piquez, piquez, collégramme, comme je le dis, regardez bien. Faites une information. Regardez si cette image-là, elle n'est pas sur Internet ou quoi que ce soit. Faites attention. Moi, personnellement, je m'en fous, je rigole. Parce que rire, quand je ris, hein. Parce que dire, au lieu de dire dis-moi quelque chose, il dit dire-moi quelque chose. Dire-moi quelque chose. Au lieu de dire dites-moi quelque chose. Vous voyez le français? Le français est bien vague, hein. Moi je ne suis pas bon en français, mais quand même, il ne faut pas exagérer un peu. Hein. Bon allez, je vous adore. Prenez soin de vous et les garçons, les filles. Faites attention aux escrocs, c'est tout ce que je vous demande. Au passage, je fais un petit coucou à Alex, d'accord? Je te fais un beau petit coucou, mon garçon. C'est très bien ce que tu fais, tu es très gentil. Voilà. Tu apprécies mes vidéos, c'est gentil, mais bon, mon cher ami, il y en a d'autres qui n'apprécient pas mes vidéos. Eh ben, m'en fous. Voilà. Allez, je vous adore, bye bye.